Et salut tout le monde, c'est Steam. On se retrouve aujourd'hui sur The Callisto Protocol. Nous sommes dans un nouveau chapitre. Cet enfoiré de Ferris, comment il est encore en vie? Et nous sommes sortis de la prison avec tout ça. Elias! Où est-ce que t'es? Je dois le trouver. On a été éjecté. Mais de là à être séparé d'autant de maîtres, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Cette putain de tempête. Oula. Hey. Ah non, c'est mort. Elias! Si tu m'entends, active ta balise d'urgence! La balise... Tiens bon, mon vieux! J'arrive! Elias! Elias! Hey, on doit continuer! On doit continuer! Allez! On doit te mettre à l'abri! Viens! Je peux pas! Allez, tu peux le faire! C'est pas si loin! On est pas si loin, allez! Non, non! Ah, ah. Hey, we gotta keep going! We gotta keep going! Come on! Non, mec, j'en peux plus. Merci. Grâce à toi. Je suis sorti. On se voit de l'autre côté, mec. Je lui ai dit de pas te faire confiance. Comment tu nous as trouvés? Grâce à la balise. T'as de la chance que ce soit moi qui l'ai repéré. T'arrives trop tard. Pas pour ce dont j'ai besoin. Il connaissait Black Iron comme sa poche. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Hé hey! Maintenant, moi aussi. Hé, hey, attends! Attends! Où tu crois aller comme ça? Je suis pilote, t'as besoin de moi. Le hangar est par là. Tu devrais te dépêcher. Putain, c'est pas vrai! Je
Je suis vraiment désolé, Elias. Je dois rejoindre le hangar. Faut que je sorte de cette tempête. Ouais, bon, on va rentrer là. Une sorte d'avant-poste. Ça fait un moment qu'il est là. Bon. Je pense que l'idée, c'est de pas aller là. Donc il y a forcément un truc, il y a déjà la reforge. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Impression UJC, passer une journée... 620. On avait dit qu'il fallait 800, je crois. Ouais, 800 pour avoir le fusil à pompe. Manque pas grand-chose, hein. Vous avez rien sur vous ? Bon, y en a bien un qui va se décongeler et me sauter dessus. Hein. Voilà. Évidemment. On va reprendre la bonne vieille technique, hein. Ah mais c'est une blague. Après les éjecter en dehors c'est bête parce que je peux pas récupérer de trucs sur eux. Faut que j'y pense à ça. Sûrement.
Ok. On est bien. Putain. Il y a de la bombe partout. Toi là-bas. Qui me parle ? J'ai trouvé quelque chose pour faire levier sur cette porte. Ces tunnels d'accès mènent au garage de la dameuse. Je peux nous faire entrer. T'entends, hein, ouais, oui. Non, pourquoi ça touche pas ? Oh l'enfer! Putain, je comprends tellement pas ce qu'il faut faire, c'est quoi ce délire ? Putain, t'es où ? Code d'accès requis. Ouais, non, mais tout ce qui est là, à la limite, ce sera pour plus tard, sûrement. Est-ce qu'il faut attendre qu'ils ouvrent toutes les portes ? Parce que là-bas, il y en avait un aussi. Eh oui ! Oh,
Bah non, non. Quoique. Serait-ce l'accès? Eh oui, je pense que c'est ça. Eh oui. Du coup, je sais pas qui m'a parlé, je dois avouer là. Vraiment aucune idée. Oh putain, ça a mergé là-dedans. Et si j'allais voir là-bas avant? C'était une bonne idée. Allez, on y va. Quel merdier. Bon, on peut se dire qu'il n'y a rien là-bas. Ouais, non, il n'y a rien. Vraiment, t'avais rien? Je suis déçu. Thank you.
Ok, le plein est fait. Non, dans l'autre sens, s'il te plaît. Merci. Oh la vache! Je vais où? Eh ben nickel, nous sommes arrivés. Putain, je les entends. Là. Non! Quand je te frappe, fais un effort, quoi. Ok, là, j'ai plus de batterie. Ah, j'en ai entendu un autre quelque part. Qu'est-ce que je fous là? On s'en fout de là. Ah mais il est con, il est con aussi. Ok, il y en a un autre. Non? Ah si, au-dessus, au-dessus. Putain.
Merde. Non, j'ai esquivé. Oh bordel. Pas mal. Monte. La porte est bloquée. Dépêche-toi. D'autres de ces choses peuvent être en approche. Eh ben, je pensais pas te revoir. Ah ouais, pourquoi? Hein? Parce que tu m'as laissé mourir dehors? Et t'as essayé de me tuer sur ton vaisseau, je suppose qu'on est quitte. T'as peut-être pas remarqué, mais la situation est un peu partie en vrille. Eh, hey, tu m'aimes pas et je t'aime pas, mais Elias a des raisons. On n'a aucune chance seul, mais ensemble, on pourra peut-être s'en sortir. D'accord. Si je peux réparer la dameuse, elle nous amènera au hangar. Ouvre la porte principale. Va jeter un œil là-bas. Je suis censé te faire confiance? Tiens, prends ça. T'en auras besoin. Ces choses sont partout. Au fait, je m'appelle Jacob. Je sais qui tu es. J'ai une nouvelle arme. On peut changer d'arme dans l'inventaire, ça marche. Menu de sélection des armes avec la touche droite. Et genre c'est la... Ouais non, c'est pas l'arme que je voulais fabriquer, quoique. Bah, c'est un fusil à pompe aussi. Bah, je vais peut-être pas le fabriquer alors l'autre. À moins qu'elle le récupère après, mais bon. On verra. Accès refusé. Il faut un code. Voilà. Enfin, j'imagine. Merde. Je vais dans l'autre pièce. Je te dirai quand je serai prêt. Une sécurité efficace, ça paraît logique. Un système de sécurité à toute épreuve, ça paraît sensé. Ne meurs pas. Voilà, donc du coup, on va pas la fabriquer, l'arme. Ça vous appartient. Franchement, fusil à pompe, sachant que j'en ai déjà un. Ah, c'est celui-là que j'ai. Du coup, il est considéré comme acheté. Du coup, c'est le même délire. Est-ce qu'on règle la stabilité? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, écoute, on va mettre un petit coup de stabilité dans l'arme. Parce que là, les munitions vont être un peu plus rares. UJC vous remercie de votre productivité. Bon, on a compris que c'était pour éviter les temps de chargement. Vous n'allez pas nous la faire. Tu la sens l'arnaque ou pas? Moi je la sens.
Je dois passer ces portes. Putain, je les entends, mais... Et je peux passer comme ça? Non. Ah oui, d'accord. Putain, je passe comment, sérieux? Ah, au-dessus. J'ai besoin d'un code d'accès. Je devrais jeter un œil dans le coin. Comment il est entré là-dedans? Ok. Évidemment. Merde! Ah, c'est bon, ça l'a découpé quand même. Ah, c'est pas beau ça. Ah, voilà, parfait. Je suis dans la deuxième salle de contrôle. Eh ben, t'as pris ton temps? Je suis prête quand tu veux. Dans 3... 2... 1... Ok, j'amène la dameuse. On se retrouve dehors. J'espère bien.
Oh non. Elle est où, bon sang? Eh oui. Oh putain, mais il y en a deux. Enfin, au moins deux, quoi. Le hangar est de l'autre côté. Je sais. Alors, tu vas où, là? Je reviens tout de suite. Quoi? Oui. Hey! Hey! Hé, hey, reviens ici! Qu'est-ce qu'on fait ici? Je dois juste le voir de mes propres yeux. Danny! Tu vas où, merde? Danny, t'es où? Là-dedans. Du matos médical? Connerie! Ouvre! Pourquoi? Parce que je le dis! On n'ira nulle part tant que tu l'auras pas fait. Ok, d'accord. Quoi? Ouais, comme je te l'avais dit. Mais les archives indiquent que t'as fait plusieurs livraisons avant. Oui, moi, une douzaine d'autres vaisseaux de transport. Essaie pas de me baratiner! Je sais très bien que t'es impliqué! J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé sur Europe! Qu'est-ce qui t'arrive? Cet implant me fait perdre la tête. Ça n'a aucun sens. Mais je vais découvrir la vérité. En attendant, tu ferais mieux de te ressaisir. Quelqu'un doit nous piloter hors d'ici. Allez, on y va! Par ici. Alors, qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? Une arme biologique de l'UJC. On l'a suivie depuis Europe jusqu'ici. Jusqu'à mon vaisseau? C'est ce que je croyais. La salle de contrôle est droit devant. Prépare-toi.
Là-bas, pourquoi t'as fait ça, Elias? Je me dépêchais. J'ai pas eu le temps de transférer les données. J'ai besoin de savoir tout ce que je peux sur ce qui se passe ici. Mais tu l'as juste arraché. Comme si t'avais pas déjà fait la même chose. Pas à quelqu'un que je connais. Tu le connaissais. Tu l'utilisais juste pour t'échapper. Le vaisseau est en orbite. Je vais activer l'appel à distance. On peut prendre l'ascenseur dans la pièce d'attaque, juste pour l'atterrissage. Ouais, c'est de là qu'on a décollé. Joli. Je m'en souviens. Je m'occupe de l'ascenseur. Connexion au réseau de sécurité Black Iron impossible. Maintenance Regarde tout ça. À mon avis, quelqu'un essaye de couvrir ce qui se passe ici. Ça va prendre un peu de temps. Jette un œil dans le coin. Essaie de trouver quelque chose. Obéissez. Connexion au réseau de sécurité Black Iron impossible. Je suis presque. Ouais, on dirait bien. J'aurais pas pu le faire sans ton aide. Je sais. T'as pas l'air trop surprise. Comment ça? Par tout ce qui se passe ici, peu importe ce que c'est. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Sur Europe. Et Europe? Le reporter a dit que t'étais responsable. La propagande de l'UJC. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un peu comme moi et cette cargaison que tu pensais que je transportais. Peut-être. J'aimerais bien. Le voilà. On a 2 minutes. Juste à temps. C'est beaucoup plus gros que mon ancien vaisseau. Tu penses pouvoir le piloter? Je pilote ce que tu veux pour foutre le camp d'ici. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi! Oui, mais chacun doit apprendre à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. Voyez, je suis impressionné que vous soyez arrivé jusqu'ici. Vous aviez peut-être du potentiel après tout. Monsieur Lee, Mademoiselle Nakamura, votre voyage a dû vous sembler long. Depuis Europe. Qu'est-ce que vous dites? Mais j'ai bien peur que les enjeux soient trop élevés. Le protocole ne peut pas être rompu. Et même si votre histoire se termine ici, sachez que vous avez mon respect. Attendez. Attendez, non! Non! Allez! 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 Ah merde, je l'ai raté, je crois. Ah ok. Ok.
Danny. Danny? Est toujours active. Oh merde. Quoi ? C'est Arkas. C'est quoi ça ? Arkas, la première colonie, celle sur laquelle la prison a été construite. Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Quoi ? Y retourner ? Non, y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black. On n'est plus là pour s'échapper, Jacob. Alors pourquoi ? Plus maintenant. Pourquoi on est là ? Des réponses ! Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux ? J'en sais rien. Et c'est quoi le putain de lien avec Europe ? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix ? Allez, viens. Cette zone n'est pas sûre. Bien, les amis, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très très vite pour la suite. À très bientôt. Ciao tout le monde.